Bonjour à tous et à toutes. Ah, j'ajuste la caméra. Voilà. Alors cette vidéo sera en réponse à un abonné ou une abonnée qui m'a demandé de faire une vidéo sur la Kia Soul. Alors c'est une voiture qui n'est pas très connue en France, qui ne s'est pas beaucoup vendue. Bah, du fait de la Zoé, bien sûr. Hein. Et pourtant, qui ne démérite pas. C'est vrai que je ne m'étais pas trop intéressé à cette voiture. Pourquoi? Bah, comme la majorité des personnes, en quelque sorte, elle passe inaperçue. Et pourtant, elle a de vraies qualités. Alors donc, j'ai repéré en France, hein, parce que en région Champagne-Ardenne, il n'y en a pas une seule en occasion sur le bon coin. Hein. Je n'ai pas été voir sur l'Argus, sur d'autres sites, mais pas une seule. Donc, j'ai retrouvé des occasions dans le nord, à l'est, au sud, et un peu partout. Donc il ne faut pas avoir peur de se déranger pour aller chercher une voiture. De toute façon, une voiture électrique, on peut se permettre de faire même 500 km pour aller la chercher. C'est pas un problème. Vous n'aurez pas de mauvaises surprises, ou alors extrêmement rarement de mauvaises surprises. Mais avant tout, puisque c'est une voiture qui est fournie avec sa batterie, il n'y a pas de location. Hein. Et les prix sont étonnamment bas. Parce que ce sont des modèles haut de gamme, finition excellente, tout équipé avec la batterie, et récente. Ensuite, si vous êtes sûr de la voiture, eh bien, il faut vous déranger, vous prenez le train, ou peu importe, il faut aller la voir sur place, et vous repartez avec. Si les papiers et tout sont faits en temps et en heure, si vraiment vous êtes convaincu, n'hésitez pas, l'électrique n'a rien à voir avec une thermique. Autant il peut y avoir des faussaires, les escrocs en thermique, en électrique, beaucoup moins. Moi, je ne connais pas. Hein. Je n'en connais pas. Le marché n'est pas aussi développé. Et de toute façon, les combines sont beaucoup moins faciles à faire sur l'électrique. C'est même infalsifiable, quelque part. On ne peut pas trafiquer. On ne peut pas mentir sur une batterie. On ne peut pas mentir sur un moteur électrique. Sur un thermique, oui. Sur un électrique, une électrique, non. En voyant ça un peu de plus près, j'ai pris ce modèle-là. En bleu, toujours en bicolore, le toit d'une autre couleur, teinte plus claire. C'est particulier principalement, hein, pas professionnel. Donc un modèle 2017, donc tout récent. 44 000 km, donc elle n'a pas beaucoup roulé, mais le kilométrage n'est pas significatif, même pour la batterie. C'est une batterie au polymère. Elle sera moins sensible aux températures basses. Son autonomie va être autour de 200 km, et si vous avez vraiment une éco-conduite sur route, vous aurez plus que 200 km. Vous pouvez vous rapprocher de 220, 230 km, voire plus. En agglomération, ce sera beaucoup plus, bien entendu. Alors, c'est une borne, ça se recharge sur borne type 2 à 6-7 kg, pas plus. C'est comme Nissan, c'est comme tout ça. C'est du Kia, c'est du coréen. Nissan, c'est japonais. Et vous avez accès aux bornes CHAdeMO à 100 kg. Donc si vous avez un Auchan équipé de bornes CHAdeMO, vous rechargez à 100 kg sur cette voiture. Ça va très vite, étant donné que c'est une batterie de 30 kg. Voilà. C'est entre l'ancienne Zoé et la Zoé actuelle. C'est à cheval. Elle n'est pas inintéressante comme voiture. Et bizarrement, son coffre, alors qu'elle est un peu plus grande que la Zoé, son coffre est plus petit. Alors ça peut être les batteries qui empiètent dans le volume de coffre. Hein. Les batteries sont placées toujours sous le plancher. Alors, une voiture avec un CX d'armoire normande, hein. C'est sûr, face carrée, c'est un peu à l'américaine. C'est une voiture mondiale. Il faut que ça plaise à la majorité des pays dans le monde, américains principalement. Voyons un peu les photos. Il y a 3 photos, comme toujours, il n'y en aura pas plus. Donc, c'est une finition un petit peu, je dirais, à la Zoé. Hein. C'est une finition de... Je parle de finition d'aspect. Je ne suis jamais monté dans cette voiture-là. Je ne peux pas en parler objectivement. Mais rien qu'en regardant les photos, ça parle déjà. Donc on voit que c'est du plastique. Peut-être moussé, peut-être dur, on ne sait pas. Vous avez des capteurs ici. Vous en avez 3. Enfin, ce ne sont pas des capteurs, ce sont des jauges indiquant la recharge de la voiture. 1, 2, 3. 3, elle est chargée 100%, 2 moins, 1,
elle a besoin d'être chargée. Donc, siège cuir chauffant, volant cuir, radar de recul. Il y a vraiment un équipement mais impressionnant dans cette voiture. Alors, elle peut plaire ou elle peut pas plaire. Hein. Après, chacun ses goûts, mais c'est quand même une électrique, hein, une fois que vous l'avez achetée. Rappelez-vous, hein, le prix de l'électricité, le prix de l'entretien, le prix de l'assurance, tout ça, ça chute. On ne parle plus de thermique, là. Et la voiture, vous pourrez la garder longtemps. Ça, c'est sûr. En plus, elle est encore sous garantie. On va voir ça après. Donc, vous voyez, c'est un sélecteur. Ce n'est pas un sélecteur de vitesse, parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. C'est comme la Zoé. Vous avez parking, neutre. Neutre, c'est point mort. Marche avant, marche arrière, et c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Donc, climatisation. Je ne sais pas si c'est l'automatique. Ça, je m'excuse, mais je ne sais pas. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cette voiture. Ah oui, hein. Quand une voiture ne plaît pas à la majorité, ça part aux oubliettes, hein, un peu quelque part. Et pourtant, elle manque pas de qualité. Elle a besoin d'être... Bon, elle est toujours fabriquée, hein, puisqu'il y a un nouveau modèle qui vient de sortir. Alors c'est une voiture vraiment intéressante, parce que si je la compare à la Peugeot Yon, ou la Citroën, la petite, qui vont faire 110-120 km au grand maximum par beau temps, comparé, et qui coûte quand même cher, hein, j'en ai vu à 20 000, 22 000 euros, comparé à celle-ci et d'autres, qui tournent autour de 18 000 euros, ça c'est un prix moyen, hein, moins cher et plus cher, ça dépend des finitions. Eh bien, il ne faut pas hésiter, hein, je pense, non, à votre avis. La Kia Soul s'impose d'elle-même. En plus, elle est sur-garantie, hein, garantie très très longtemps. Donc, éclairage de jour, hein, à LED. Je ne sais pas si les phares sont à LED, malheureusement. Ce sont des phares lenticulaires, ça j'en suis sûr. Donc, il doit y avoir un bon éclairage. Anti-brouillard, jante alliage. Alors, il a pris la photo un petit peu de biais. Je suppose qu'il y a les détecteurs à l'avant pour se garer. Donc, derrière, il y en a aussi. Ça, c'est la trappe de recharge. Vous avez deux prises. Hein, et vous pouvez recharger à domicile. Bon, la majorité des utilisateurs de voitures électriques rechargent très peu sur les bornes électriques. Je répète, on recharge beaucoup à domicile et même quand on est en appartement, en copropriété, maintenant, il ne faut pas avoir peur de demander une prise installée de recharge de voiture électrique. Une prise protégée et tout et tout. Ça doit être fait. Ça, c'est après, c'est syndic, hein, c'est tout le monde qui se réunit, qui décide de faire quoi, si c'est possible ou pas. Mais il le faut. Il y a de plus en plus de voitures électriques. Il y a beaucoup d'occasions. Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'équipent d'occasions. Les citadins n'ont pas l'opportunité de pouvoir tirer un câble dehors, hein, en pleine rue, comme ça. C'est sûr qu'il y aura un problème. Donc, il faut absolument des câbles à domicile. Avec ce genre de voiture, il n'y a pas de problème. Alors, elle n'est pas vilaine. Je ne trouve pas vilaine. Elle est spéciale, ça fait comme la Nissan Leaf première génération. Ce sont des voitures intemporelles, comme on dit. Ça passe les modes, ça passe l'actualité, l'évolution. Ça reste toujours d'actualité, en quelque sorte. Ça fait comme la Zoé, sa ligne, celle-ci, la sienne. La Nissan, une autre ligne, on les reconnaît tout de suite, elles ne sont pas désagréables, on est habitué à les voir. Enfin, celle-ci, beaucoup moins. Alors, neuve, elle n'est pas donnée, hein. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai fait le tour, hein, puisqu'il n'y a que trois photos. Donc, oui, c'est une excellente occasion. Donc, garantie constructeur jusqu'en août 2024. Alors, vous voyez, 2024, 7 ans de garantie. La batterie est garantie 7 ans ou 150 000 km. Vous pouvez voir venir, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, je confirme bien, GPS, radar de recul et caméra. Intérieur cuir, siège avant et arrière latéraux. Chauffant et ventilé, en plus. Si vous voulez avoir un petit courant d'air dans le dos, il n'y a pas de problème. Volant chauffant. Alors, ce qui est bien avec les sièges avant chauffant et volant chauffant, c'est que sur une voiture électrique, on n'est pas obligé de mettre le chauffage. Si c'est une pompe à chaleur ou un système à l'ancienne, vous allez faire d'énormes économies en consommation électrique. Parce que le siège chauffant, lui,
À lui tout seul, il vous réchauffe complètement. Et à la longue, il réchauffe l'habitacle. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de mettre le chauffage classique. À moins que les températures soient vraiment froides ou que la température est remplie de, la voiture est remplie d'humidité. Les vitres latérales sont embuées, tout ça. Là, il faut mettre un petit coup de ventilation, de climatisation pour les embuer, tout ça, ça. En une minute, c'est fait. Hein. Voilà, ça c'est bien. Régulateur de vitesse, limiteur, phare automatique, vitre avant et arrière électrique, vitre arrière surteintée, ouverture sans clé, donc kit main libre, 4 pneus neufs, possibilité de recharge rapide, bah oui, parce que c'est une prise Chademo. Donc il doit y avoir fourni avec le câble pour recharger à la maison, donc sur une prise domestique, toute simple, et sur la voiture, le nez de la voiture, et un câble Chademo. Câble type 2 aussi, vous pouvez recharger sur un type 2. Câble Chademo, de toute façon, sur les bornes, les câbles sont fournis sur la borne, quand c'est du Chademo. Il n'y a pas de câble Chademo, je me suis trompé. C'est un câble type 2. Parce que quand vous allez recharger en Chademo, ça va être du 50-60 kg. En une demi-heure, la voiture est chargée. Hein. Ah bah 30 kg à charger. Si vraiment, elle a 10% de ses capacités, par exemple, vous rechargez sur une borne rapide, ou champ, IKEA, peu importe, sur une Chademo, ah ben ça va très vite. Hein. Alors, au démarrage, ça va aller très vite. Les 100 kg, vous ne les atteindrez pas. Hein. Non, non, ça, c'est la théorie. Hein. Mais si vous dépassez 50 kg, déjà, vous vous rendez compte. Vous pouvez même recharger les voitures à 100%, vous allez attendre une heure. Et c'est fait. Même pas une heure, trois quarts d'heure. Oui, c'est très bien. Très, très bien. Donc, c'est dans... Je vous laisserai regarder ce genre de voiture. Hein, les annonces, c'est pas ce qui manque. Malheureusement, elles sont pas toujours à proximité de l'endroit où l'on réside pour ceux qui seraient intéressés, ceux et celles qui sont intéressés, bien sûr. Donc, c'est une voiture polyvalente qui peut faire de la ville, bien sûr, et de la route à 80 km/h. Elle a un moteur quand même qui fait 110 chevaux. Donc, c'est une petite bombe. Hein. Attention, hein. Sachez que la Zoé fait 88 chevaux, et c'est une petite bombe. Alors celle-ci, elle en fait 20, elle en fait 110, je ne vais pas calculer, elle en fait 110. Donc, c'est parlant, hein. Vous allez être surpris si vous êtes, si vous avez jamais conduit une voiture électrique, que vous essayez ce genre de voiture, ça va vous dépayser, hein, à complètement. Hein. Vous allez craquer. Hein. Donc, la route, 80 km/h. Alors là, vous pouvez aller loin, hein, plus de 200 km. Il n'y a pas de problème. Si vous trouvez des bornes de recharge Chademo en cours de route, vous allez sortir de votre département ou de votre région, eh bien faites une prospection sur ChargeMap pour être sûr d'en trouver en cours. Sinon, sur une borne type 2, vous allez mettre 3 heures, 4 heures, 5 heures pour recharger la voiture, parce qu'elle va recharger lentement. Ça, c'est l'inconvénient des voitures japonaises et coréennes. Bon, les bornes chez les mots s'implantent petit à petit, ça y va, lentement mais sûrement. C'est une obligation, puisqu'il y a de plus en plus de voitures électriques de vendues à ce format-là. Le nouveau format, c'est CCS, mais bon, c'est comme ça. Donc je vais arrêter là.